Maintenant, on parle pas de tête fait mal. Et combien de monde là qui prend tête fait mal? Bon. All right, tête fait mal, c'est un bagage qui est très commun. Dans tête fait mal, là, il y a ça qui est le tête fait mal là, primaire, tête fait mal secondaire. Tête fait mal primaire, ça a le tension headache, ok? Il y a migraine headache, et puis il y a cluster headache tout. Tête fait mal secondaire, là, c'est tête fait mal, c'est de l'autre maladie qui bat. Par exemple, si vous faites tension, et vous prenez un pile aspirine, attendez bien, vous faites tension dans 200, et vous prenez aspirine, quand il y a là, vous n'avez pas besoin de la tête. Lorsque vous avez là, vous avez une tête fait mal, vous avez exactement intracranial bleed. Alright? Ça nous donne de dire là. Aspirine est bon pour prévenir stroke et puis heart attack, mais lorsque vous avez une tension trop haute, vous êtes capable de faire une tête. Donc, lorsque vous avez une tête, vous faites intracranial bleed qui est capable de faire une tête fait mal. Il y a une maladie qui est le meningite. Next slide. Il y a une maladie qui est le meningite. Vous êtes capable de gagner ça tout si vous avez une inflammation dans le méningite. Vous avez une maladie qui est l'encéphalite, ça ne va pas causer des effets mal tout. Donc, maladie gonflée. Combien de gens ont une maladie gonflée? Donc, l'on gonfle en pile, vous avez ça qui est le sleep apnea. L'on fait sleep apnea, vous n'avez pas assez d'oxygène qui rentre dans le système ou dans le poumon ou dans le cerveau, ça ne va pas causer des effets mal tout. Donc, encore une fois, nous avons deux qualités de tête fait mal. Tête fait mal commun, tête fait mal primaire et puis tête fait mal secondaire. Ça, c'est tête fait mal. Nous regardons là, il y a plusieurs parties qui sont capables de tête fait mal. Et plusieurs parties encore. Si vous regardez monsieur, par exemple, si monsieur contracté, c'est capable de tête fait mal. Et puis, si vous regardez sous fait sinus, vous fait sinusite, c'est capable de tête fait mal tout. Et puis, si vous avez un problème dedans, et si vous avez dents vraiment qui font mal, si vous avez mal dents, ça ne va pas faire mal. Nerfs aussi au coincé, comme avec les trigémines neuralgiques, les nerfs au coincé, ça ne va pas faire mal tout. Et puis, joints, ça va être les TMJ, les gens qui mangent dents, ou bien les gens qui se serrent dans ce petit yo. Ça va faire mal tout. Et puis, l'homme mal dormi, regardez dans quoi l'homme mal dormi, ça ne va pas faire mal tout. C'est très important que l'homme mal dormi, parfois, quand on va coucher plat, il va coucher plat. Ça dépend de ce que vous avez, ça ne va pas faire mal et faire mal tout. OK? Next slide. OK. L'homme garde, ça c'est une liste de barres qui va faire mal. L'homme stressé, l'eau toujours nerveuse, ou toujours sous nerf, ça va causer des effets mal. Les gens qui enceintes, capable de faire mal tout. Et puis, l'eau qui période, capable de faire mal tout. Sous le trop alcool, capable de faire mal. Next slide. Dans tout fait mal, il y a des effets mal qui plus, parce que des effets mal, ça me l'a dit par là. Sous n'importe si ça, sous que des effets mal, il commence soudainement, là même. Et puis, il est très sévère, il faut faire attention, ça va pas être un danger. Souhaitons que un tête fait mal là, il progresse, son danger. Si vous avez un monde qui a un système immunitaire est faible, par exemple, si vous avez un monde qui souffre de sida ou bien d'autres maladies, système immunitaire est bas, il faut faire un peu attention parce qu'il doit y avoir un danger dans tête fait mal. Ça, okay? Et puis tout, si on va faire activité avec un époux, ou madame, ou mari, etc., on se trouve tellement mal qui est intense. Il faut faire attention, tout ça va être danger parce que nous avons un aneurysme ou bien un aneurysme dans le cerveau qui est éclaté. Donc tout ça, et puis tout, si vous avez un partenaire ou bien une famille, un monde sale, il commence à dépaler et puis il y a une tête fait mal, il faut faire attention, ça veut dire que vous devez à l'hôpital pour le faire checker. Next slide. Comment vous pouvez faire des pistes, vous pouvez diagnostiquer la tête fait mal? Premièrement, vous devez voir un docteur. Tout signe de danger, ça que vous avez expliqué, non? Depuis que vous avez gagné à l'hôpital directement. Mais si c'est l'autre tête fait mal régulièrement, vous avez faut avoir un docteur, vous pouvez avoir un docteur pour ça. Alright? Lorsque le docteur, a fait history and physical, la commande en pile question de tête fait mal. Ça fait que c'est très important pour toujours écrire, lorsque tête fait mal, vous avez écrit dans quelle occasion, si c'est le pas manger, le pas dormir, etc. Pour pouvoir avoir un docteur à l'information, ça. Et puis nous faisons test sans tout.
Et puis, comme on a les CAT scans, CT ou bien MRI, pour capable faire mettre nos machines dans nos cercles, nos machines, pour qu'on a pour capable checker tête là tout. On le bail que nous faisons, qui est le lumbar puncture, spinal tap, côté que vous faites un bon aiguille dans vos épidos, dans vos lymphes par la bouche, vous allez piquer. Donc, il y a un bon aiguille que vous faites dans le dos, pour ça, vous êtes capable de checker. Ça qui va être fait mal là, si vous n'êtes pas capable de une cause là. En plus, fois, c'est qu'on s'est capable de découvrir pour faire meningite ou bien si vous êtes sans, parce que spine, colonne vertébrale ou pas, vous avez sans là-dedans. Si vous êtes sans là-dedans, dans l'aiguille là, vous que ou gagnez ça qui est intracranial hemorrhoid, allez de coussin en dedans. Next slide. Et si nous sommes là, ça c'est. Qui ça est? MRI. Ça c'est CAT scan, c'est là. Ça c'est CAT scan, donc bien MRI là, il y a presque le même genre. C'est là que vous êtes capable de checker pour voir. Ça prend un peu de temps, donc pour deux patients. Next slide. Comment vous êtes capable de traiter tel fait mal? Premier bagage, c'est pour nous relax, non? Très important. Et puis c'est pour identifier ça, va être fait mal là. Si vous l'homme qui dormi, ou qui est fait mal, qu'est-ce que vous devez faire? Dormir. Right. Si vous avez une maladie ou une grossi, vous avez une tendance à avoir une maladie ou une flé. Qu'est-ce que vous faites? Oui, docteur. Essayez de perdre du poids, faire régime. Faire régime, all right? Et puis tout, si vous pas fait, vous manquez de faire exercice ou vous manquez de manger un régime qui est bien balancé, qu'est-ce que vous faites? Ça. Donc tout ça, vous devez corriger. Si ça n'a pas marché, vous devez essayer par la pharmaceutique. Qui sont capables d'essayer, vous capable d'essayer Tylenol, vous capable d'essayer Advil, vous capable d'essayer Aleve, ok? Et puis si ça n'a pas marché, vous avez là où besoin de prescription, non mais docteur. Et puis moi qui ai un problème psychologique, tout par exemple qui est toujours déprimé, qui a une dépression, surtout mes dames qui prennent soin de ces monsieur Lacay. Donc, mesdames, vous avez tendance à faire mal parce que vous ne faites pas parler. Donc, si c'est ça, vous pouvez essayer de relaxer ou bien si vous avez besoin d'aide, vous êtes capable de jouer ça dans mes professionnels, vous êtes capable d'aider dans mon pasteur, par exemple, capable de parler avec vous. Next slide. L'autre chose que vous pouvez faire, par exemple, dans le premier cadre, vous avez besoin de relaxer, vous avez besoin d'exercice, etc. Donc, tout le monde aider avec, vous êtes fait mal. Comment vous êtes capable de faire mal? Le premier chose que vous pouvez faire, c'est la prière. Lors la prière, vous faites plusieurs choses pour vous montrer que tout stress, tout barrage traverse vous, ou remettre à Seigneur. Deuxième bagage, c'est un régime qui est bien balancé et puis l'exercice. Troisième bagage, prendre avantage de support social que l'Église bail. Par exemple, c'est pour nous relation avec des vêtements avec la famille, non? Aller à l'église, aller dans le programme, yo. Et puis des programmes sociaux, tout, aller dans le parc, faire pique-nique, aller dans la place. C'est pour ça qu'on peut relâcher tout en travail, nous pas gagner temps pour nous divertir, non? Ça ne va pas faire mal. Alright? Next slide. Et si nous regardons là, nous avons des nourritures capables, alors fruits et végétales capables d'aider nous avec d'abord une recherche qui fait qu'ils sont capables d'aider avec être fait mal. Par exemple, melon. Melon, ce n'est pas qui est vraiment haut en sucre. Il faut faire attention. Pour qui fait sucre, faire attention pas manger trop. Mais melon, capable d'eau, capable de chou, nous avons chou, nous avons strawberry, nous avons, par exemple, ça c'est zaman, nous avons droite là. Tout ça capable d'aider avec, faire mal. C'est nous toujours faire usage de manger ça. Next slide. Encore une fois, chou. C'est pour nous toujours faire usage de fruits et végétaux capables de réduire, faire mal. Next slide. Donc, toujours songer, il y a un cœur qui joue à rien, qui s'allie, si on remède, mais il y a un esprit qui a battu, ni sécher les os. C'est-à-dire, il va encourager nous toujours relax nous et faire des activités pour ne pas souffrir avec tel fait mal. Mais, qui ça veut dire concernant tel fait mal, qui danger tel fait mal, qui est là-dedans, qui danger yo? Sinon, tel fait mal est très intense. Sinon, tel fait mal là, c'est dernier c'est cette femme qui plus mal que j'en viens dans la motion de faire ou à l'hôpital si on est confuse ou pas qu'on va te parler que j'en veux faire à l'hôpital. C'est la vérité de gaz bonjour avec nous. Merci pour le plaisir.